Donc, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire organisé par CNRS Formation Entreprise. Donc, s'intéresser à l'olfaction, c'est ouvrir tout un panel de champs scientifiques, tant l'étude de ce sens est complexe et multifactorielle. On peut l'aborder par les aspects neurologiques, cognitifs, génétiques, culturels, chimiques, mais également cliniques et sociétaux. Pour nous en parler et nous éclairer sur les mystères de l'olfaction, nous accueillons Moustapha Ben Safi, directeur de recherche CNRS, au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Spécialiste mondialement reconnu de l'étude de la perception olfactive, ses travaux actuels portent sur le fonctionnement du cerveau et les déficits olfactifs chez l'homme. Il co-dirige l'équipe Neuropop au sein de son laboratoire. Alors, ce webinaire est organisé dans le cadre des activités de CNRS Formation Entreprise, l'organisme de formation continue de la direction des relations avec les entreprises du CNRS, et sa mission est de transférer les savoirs et les savoir-faire des laboratoires du CNRS et de ses partenaires par des actions de formation professionnelle à destination des secteurs publics et privés. Les formations sont organisées la plupart du temps en présentiel. Elles sont dispensées par les personnels des laboratoires et elles ont lieu dans les laboratoires ou au sein des entreprises. Ce sont des formations courtes qui durent entre 2 et 5 jours en petits groupes avec bien souvent une part importante consacrée à l'expérimentation ou aux études de cas. Depuis le confinement du printemps 2020, nous avons adopté un nouveau format en organisant ces webinaires dans la continuité de nos missions et en prenant le temps d'avoir un éclairage scientifique sur des questions d'intérêt sociétal. Donc avant d'écouter Moustapha Ben Safi, je laisse la parole à ma collègue Marie Cotte, responsable de la collaboration avec la filière parfumerie cosmétique au sein de la direction des relations avec les entreprises du CNRS. Merci Raphaël. Alors, je passe à la diapo suivante. Voilà, donc comme tu le disais, transférer les savoirs et les savoir-faire des laboratoires du CNRS et de ses partenaires aux acteurs du monde socio-économique, c'est ce que nous nous attachons à faire à la direction des relations avec les entreprises. Nous coordonnons les relations du CNRS avec le monde industriel. Donc, on s'appuie sur l'expertise pluridisciplinaire de l'organisme et un maillage territorial permettant à chaque acteur de disposer d'un interlocuteur de proximité. Et ce, au travers de projets concrets de recherche menés en commun dans tous les territoires avec des entreprises de toute taille, afin de permettre les meilleures innovations. Alors, l'approche filière, pour ce faire, nous avons développé cette approche donc filière pour être au plus proche des préoccupations d'innovation des entreprises. Actuellement, nous avons 9 filières industrielles, chacune sur un secteur stratégique. Donc, nous allons de la cybersécurité à l'automobile et mobilité via l'énergie, la santé et donc la parfumerie cosmétique. L'objectif, c'est de développer des relations des laboratoires avec les acteurs économiques de ces secteurs, définir les préoccupations communes de recherche et de développement et de faire émerger des solutions innovantes au travers de collaborations. Donc, le CNRS, très rapidement, c'est plus de 1100 unités de recherche. Nous sommes le premier co-déposant de brevets, avons 23 prix Nobel, des médailles Fields, et nous sommes présents sur tout le territoire ainsi qu'à l'international. Nos thématiques de recherche sont multidisciplinaires avec 10 instituts, ce qui permet une transversalité complète et des innovations de rupture en allant piocher des expertises d'un champ disciplinaire pour les appliquer, par exemple, à un autre. En parfumerie cosmétique, le CNRS est très structuré. On va y trouver, je vais vous présenter très rapidement, nous avons 4 groupements de recherche qui s'attachent à explorer des questions clés du secteur. Donc, nous avons tout d'abord le groupement de recherche Cosmactif. Donc, sa mission principale, c'est de favoriser l'avancée des connaissances dans les thématiques cosmétiques en lien avec les soins de la peau, du visage et du corps, pour des propriétés diverses et variées, hydratantes, raffermissantes, amincissantes, dépigmentantes. Voilà, j'en passe. Le groupement de recherche O3, qui accompagne la recherche sur les odorants, les odeurs et l'olfaction, donc particulièrement pertinent pour le webinaire d'aujourd'hui. Puis nous avons un groupement de recherche sur le toucher qui s'appelle TACT. Il va s'intéresser à la connaissance et à la compréhension de la sensorialité par le toucher. Et puis un autre exemple, c'est le groupement de recherche Organoïdes qui lui développe
des modèles d'organes miniatures, des modèles qui vont permettre de tester la toxicité des molécules et des formulations, par exemple. Ça, ce sont des groupements de recherche. Nous avons également à disposition des industriels des plateformes technologiques spécialisées pour les secteurs de la parfumerie cosmétique, comme CosLife, qui est basé à Lyon, ou HT Smart Formu à Lille, avec des offres ouvertes aux industriels afin de développer, de prototyper et voilà, d'avancer leur démarche innovation. En quelques chiffres, pour la parfumerie cosmétique, au CNRS, ce sont plus de 30 brevets avec application cosmétique. Ce sont des projets de prématuration, comme les diones végétales, molécules particulièrement importantes dans le secteur de la parfumerie. Ce sont des laboratoires communs avec des groupes tels que L'Oréal, Pierre Fabre ou Aptar. Ce sont des start-up, une cinquantaine, issues de nos laboratoires. Donc, une relation partenariale, nous pouvons avoir plusieurs outils afin de la développer. Ça peut commencer par des stages, des formations, comme l'a décrit Raphaël. Notre service trouver un expert, des choses assez courtes, et puis se développer dans des contrats doctoraux, des laboratoires communs, des projets collaboratifs européens. Donc tout ça, ça dépend du temps, et avec le temps, s'acquiert la confiance entre l'entreprise et puis nos laboratoires. Donc nous avons tout un panel de dispositifs afin de travailler ensemble. Pour conclure, je suis votre point de contact pour toutes vos questions en parfumerie cosmétique. Donc, si vous êtes curieux de savoir comment vous pouvez travailler avec nous, sur quel projet nous pouvons avancer ensemble, eh bien, mes coordonnées sont là et n'hésitez pas à me contacter. Je repasse la parole à Raphaël pour ensuite aller vers ce webinaire. Très bon webinaire à vous. Merci. Merci Marie. Donc, comment va se passer ce webinaire? Nous allons écouter la présentation de Mustapha Ben Safi pendant 35 minutes environ, et il y aura une séance de questions-réponses pendant une trentaine de minutes également. Donc, ce webinaire est enregistré. Vous aurez accès au replay que nous vous enverrons par la suite. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions directement via le chat. Nous les afficherons au fur et à mesure, mais seront posées oralement à l'orateur en fin de séance. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, mais nous essaierons d'aborder tous les thèmes qui seront soulevés. Petite précision, si une des questions concerne une slide en particulier, veuillez indiquer le numéro de la slide. Et enfin, une petite recommandation technique, si la caméra est gênante pour la bonne lecture du diaporama, vous avez la possibilité de l'accrocher avec un petit bouton en bas à droite de la fenêtre où vous voyez la vidéo, afin qu'elle apparaisse au-dessus du chat. Je laisse donc la parole à Mustapha Ben Safi. Je vous souhaite à tous un bon webinaire. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je remercie tout d'abord le CNRS pour cette invitation et je remercie le public, nombreux aujourd'hui. Donc, Raphaël l'a dit, je travaille au Centre de recherche en neurosciences de Lyon et je co-dirige l'équipe Neuropop avec ma collègue Nathalie Mandéron. Donc dans cette équipe, on s'intéresse à la perception olfactive sous ses aspects neurobiologiques, aux aspects cognitifs. Alors la présentation d'aujourd'hui, elle a pour ambition de vous présenter un certain nombre de résultats acquis entre autres dans notre équipe qui tente de comprendre les mécanismes de l'odorat chez l'homme. Alors, des résultats certes scientifiques, mais qui peuvent être également appliqués dans un certain nombre de contextes, notamment contexte de collaboration avec des industriels, mais pas que, avec également des associations de patients par exemple. Et donc ces deux aspects, ça va constituer les deux moments de cette conférence, avec dans un premier temps un peu de science, et puis dans un deuxième temps les applications qu'on a pu en faire
en collaboration avec, on va dire, la société. Alors, avant de présenter ces deux parties, je vais prendre un petit moment, présenter un petit préambule en fait, de on va appeler ça la culture des odeurs, la manière dont l'odorat et les odeurs ont été, on va dire, abordés ou perçus dans notre histoire, hein, l'histoire de l'homme. Et pour cela, je vais débuter avec quelques éléments de connaissance chez les Grecs pour aller jusqu'à des travaux de la fin du 19e siècle, pour essayer en fait, de mieux comprendre pourquoi au 20e siècle, il y a un certain nombre de chercheurs et de travaux qui ont tenté de mieux comprendre la complexité de ce sens, et notamment sa relation avec sa composante émotionnelle. Donc, je vais commencer. Voilà. Alors, donc la culture des odeurs dans la Grèce antique, en fait, bien les odeurs, elles étaient utilisées de manière assez fréquente, notamment dans des rituels religieux, pour le sacrifice, par exemple, où l'idée, c'était de créer une atmosphère olfactive qui va permettre d'attirer les dieux dans un lieu donné. Et ici, ce qui est intéressant de noter, c'est que on va avoir une échelle de perfection qui va être basée sur la composante émotionnelle de l'odeur. D'abord les dieux, qui sont caractérisés par leur odeur, qui est très agréable. Ensuite les mortels, plutôt une odeur neutre, sauf en cas de maladie. Donc là, on commence à voir déjà un lien entre l'odeur qui est émise biologiquement par une personne et des états pathologiques. Et puis la mauvaise odeur, c'est l'odeur des animaux. Donc en fait, concrètement, ces odeurs, elles étaient mises par exemple dans un brasero, dans des brûle-parfums, et c'était des odeurs de viande grillée ou de plantes aromatiques ou d'épices. Les Romains. Avec les Romains, on a toujours le même genre de rituel, avec un élément peut-être supplémentaire, c'est l'idée d'une identité. Hein. L'odeur, elle va exprimer une identité, un statut social, parce que les odeurs agréables, elles sont associées à la beauté, à la pureté, au luxe. Donc là, on garde quand même une discrimination qui est basée sur l'odeur du divin, de l'humain, de l'animal, du végétal. Mais en plus, il y a cette idée de statut social qui est intégrée. Un peu plus tard, la civilisation arabo-andalouse, ben elle a, on va dire, pas initiée, mais mis en avant la culture des odeurs, notamment à travers des jardins qui étaient somptueux et qui étaient là pour générer une ambiance olfactive. Qui induisait un certain bien-être. Alors les odeurs, c'était des plantes aromatiques, mais également des fleurs comme la rose ou le jasmin. Alors un peu plus tard, en Europe, avec le développement et l'industrialisation, j'allais dire, de la parfumerie, on va voir quelque chose d'intéressant qui a été noté dans le livre La civilisation des odeurs de Buchenblatt, où on va voir en fait un changement de préférence dans le temps. C'est-à-dire que les parfums, à un certain moment, étaient plus basés sur des notes animales, et puis on va aller un peu plus vers des notes florales. Alors, notes animales, c'est principalement trois sécrétions animales qui sont utilisées, le musc, qui est une sécrétion de glande de chevrotin, la civette et puis l'ambre marine. Alors, il faut bien noter que ce changement, en fait, il est des notes animales aux notes florales, mais il est lié au fait qu'à la fin du XVIIe siècle, hein, ces produits se font un peu plus rares, sont plus chers, et puis ben, on va se tourner vers des produits d'origine végétale. Et ça, c'est pas sans conséquence sur ce qu'on pourrait appeler les paysages olfactifs qui vont être modifiés en fait, hein, parce qu'on a besoin davantage de jardins
pour produire les plantes, la matière première en fait nécessaire pour produire les parfums. Et puis ça va coïncider avec le développement d'un certain nombre de villages ou de villes. Et puis, dans le même temps, en fait, hein, ces productions animales, elles vont poser des problèmes dans les villes, dans la mesure où la pollution, en fait, elle est souvent d'origine animale, hein. Il y a des métiers qui dérangent, notamment les tanneurs, les gantiers, qui utilisent des substances animales, voire végétales toxiques, pour en fait accélérer la fermentation, la putréfaction de leurs fibres. Donc, on va les éloigner du centre des villes. Et en fait, tout ça coïncide également avec des changements démographiques, hein, avec une poussée urbaine qui est en France, qui va passer par exemple d'une proportion de citadins à 10% dans vers 1515 pour atteindre 50% sous le Second Empire. Donc là, je vous renvoie encore une fois au livre de Mouchen Blède et puis au livre d'Alain Corbin publié dans les années 80. Alors, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, on commence à avoir une idée plus précise de des mécanismes, en fait, de la neurobiologie, de l'odorat, avec notamment des travaux de Paul Broca. Donc, Paul Broca, en fait, il est plutôt connu pour ses travaux sur le langage, mais il a également fait des études sur l'odorat, et il a cette publication qui est très intéressante sur la localisation des centres olfactifs. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un certain nombre de cerveaux de différents mammifères qu'il a analysés en posant la question de savoir quelle est la part de l'olfaction dans ce volume cérébral. Et il s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait discriminer, catégoriser ces cerveaux en deux. Les cerveaux chez qui l'olfaction était omniprésente, hein, du point de vue du volume, et ça coïncidait, d'après Broca, avec le fait que chez ces espèces, l'odorat, c'est le principal guide de l'animal, et il va qualifier ces espèces d'osmatiques. C'est la très grande majorité des mammifères, hein, pour Broca. Et puis, il a également repéré certains cerveaux, notamment de cétacés, d'amphibiens, de primates, chez qui en fait l'odorat était très peu présent, voire vraiment une atrophie extrêmement grande. Il les qualifie d'anosmatiques, et chez l'homme, il ajoute que cette atrophie, elle coïncide avec le développement excessif du lobe frontal. Donc en fait, on a cette idée d'opposition entre l'odorat et l'intelligence. Alors, il faut noter que durant la même période, hein, des scientifiques comme Darwin vont écrire que le sens de l'odorat est de la plus haute importance pour un grand nombre de mammifères, mais d'une utilité extrêmement faible, hein, pour l'homme. Donc là, ça rejoint vraiment ce que Broca avait mis en avant. Et puis, du point de vue de la psychanalyse, hein, Freud déclarait que c'était un sens inhibé, refoulé chez les êtres humains. Donc là, on va avoir cette idée que eh bien, le sens de l'olfaction est un sens qui est très réduit, qui est en régression et qui ne sert pas à grand-chose à l'être humain. Alors, on a gardé beaucoup de traces de ces travaux de la fin du 19e siècle et des débuts du 20e siècle, mais néanmoins, il y a beaucoup de scientifiques dans le monde entier qui ont étudié l'odorat, et ils l'ont étudié dans sa complexité. Et je voulais noter aujourd'hui notamment la contribution d'un scientifique français qui s'appelle Jacques Lemannien, qui était au Collège de France, et si je ne me trompe pas, il était directeur de recherche au CNRS, qui a mené un très grand nombre de travaux dans le sujet, sur ce sens. Et il a même été le fondateur et le premier président de la plus grande association européenne de chercheurs en olfaction. Donc ça, c'était en 1970, mais Jacques Lemannien a un très grand nombre de publications avant les années 70. Et il faut noter que
durant cette période, en 70-80, il y a eu une forte contribution de chercheurs français à Paris, à Lyon notamment, Patrick MacLeod ou André Olet, qui sont à l'origine de nombreux laboratoires en olfaction en France. Et en fait, cette effervescence, hein, n'était pas qu'en France, elle était en Europe, dans le monde. Et on va dire qu'elle a abouti, parce que c'est ce qui est le plus visible, hein, mais il y a énormément de contributions qui ont éclairé le sens de l'odorat. Donc elle a abouti au prix Nobel en 2004, hein, de physiologie et de médecine, à Richard Axel et Linda Buck pour leur découverte de la famille des gènes de l'olfaction. Donc là, la lumière, elle est mise sur une discipline et au sein d'une communauté scientifique, hein, élargie, très large. Et en fait, ça permet eh bien, d'avoir plus de financement, d'attirer plus d'étudiants. Et en France, hein, ça a été dit juste avant, eh bien, aujourd'hui, on est structuré autour du GDRO3 qui est dirigé par Nathalie Mandéron. Et il y a également un certain nombre d'associations qui contribuent également à mettre en valeur, j'allais dire, ce sens, mais pour d'autres raisons, en lien avec les troubles olfactifs. Et là, en fait, c'est un deuxième tournant. C'est un deuxième tournant dans la recherche sur l'odorat. C'est un tournant sociétal. C'est la COVID-19 où là, la lumière, elle est mise sur un sens, mais vers le grand public. Ici, je vous ai mis les Google Trends, hein, les tendances Google. Hein, vous tapez dans Google perte odorat, et puis vous allez voir qu'il y a des pics qui correspondent en fait aux différentes vagues d'infection du SARS-CoV-2. Hein. Donc, à partir de là, on va vite constater que eh bien, des termes comme perte d'odorat ou anosmie commencent à devenir connus du grand public. Et donc, c'est là que des associations comme SOS Anosmie ou anosmie.org ont également permis de mettre la lumière sur ce sens en apportant des informations très importantes pour les personnes touchées. Et il y a également des consortiums internationaux qui ont été mis en place depuis la pandémie. Pour apporter une information fiable au grand public. Alors, cette quête d'une meilleure compréhension des mécanismes de l'odorat, en fait, elle a soulevé différents enjeux qui sont d'ordre scientifique, économique, sociétaux. Alors, au niveau scientifique, la première question qui intrigue tout le monde, c'est celle de la complexité, comprendre la complexité du traitement neural et cognitif des odeurs. Et également de leur composante hédonique ou émotionnelle. Il y a une deuxième question qui est intéressante, c'est celle de la plasticité de ce sens, puisque ce sens, on va dire, tout commence avec des neurones qui peuvent se régénérer. Donc on a tous en tête l'idée que des neurones, ça ne se régénère pas, mais dans le système olfactif, c'est le cas. Et donc ça, c'est un véritable enjeu scientifique pour les chercheurs, mais il y a également, adossé à cet enjeu, celui de la variabilité. Pourquoi une même odeur est perçue agréable par certains, désagréable par l'autre? Donc ça, c'est une question d'intérêt. Et puis, il y a également une troisième question qui est celle des troubles olfactifs et de leurs effets sur la qualité de vie. Alors, ces questions scientifiques, elles sont également, on peut y adosser des enjeux économiques et sociétaux. Et là, on va voir que, ben, il y a des innovations qui sont nécessaires à plusieurs niveaux pour, on va dire, étudier ces enjeux économiques et sociétaux. Le premier type d'innovation, c'est développer des méthodes qui permettent de mesurer l'effet de la composante émotionnelle des odeurs sur les préférences, la perception des consommateurs. Ça, c'est un vrai challenge qui touche plusieurs domaines. L'automobile, l'environnement, l'agroalimentaire, et ça a été dit tout à l'heure, l'industrie des cosmétiques et du parfum. Et également le développement des techniques de diffusion des odeurs qui sont, on va dire, des enjeux importants. Ben, tout d'abord, pour mieux répondre aux besoins des scientifiques, hein, qui ont besoin d'un matériel qui leur permette de diffuser des odeurs avec une bonne temporalité et puis une bonne qualité olfactive, mais également pour les industriels. Il y a la mise en place d'outils diagnostiques et de récupération de l'odorat, et
On en entend beaucoup parler aujourd'hui avec la COVID-19. Et tout ça, c'est des outils qui doivent être adaptés aux besoins des patients, mais également aux besoins des cliniciens. On ne peut pas développer un outil qui va être utilisé sur un test olfactif qui va durer 50 minutes dans une session ORL. Et puis, dernier point que je voulais mentionner, c'est la conception de nouveaux paradigmes qui vont combiner olfaction artificielle, olfaction naturelle. Et là, on peut avoir différentes applications, et notamment des applications cliniques. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc l'odorat, c'est un sens qui est chimique, sens chimique comme la gustation ou la sensibilité trigéminale. Donc la gustation, ça se passe en très grande partie au niveau de la langue, mais également dans le palais, au niveau de l'œsophage. Et ce sont en fait un ensemble de cellules qui comportent des récepteurs qui vont être sensibles à des molécules qui vont se dissoudre dans la salive. Donc quand vous avez par exemple un bonbon à la menthe en bouche, s'il est sucré, eh bien toutes les molécules qui induisent cette sensation de sucré vont se dissoudre dans la salive, on va percevoir ce sucré. L'odeur de menthe, elle, est perçue par le système olfactif, ici en rose, et puis la sensation de fraîcheur, elle va être véhiculée par ce nerf qu'on appelle le nerf trijumeau, qui a des ramifications au niveau de la bouche, de la cavité nasale et de l'œil. Et c'est également un nerf qui est impliqué, par exemple, quand vous avez un piment en bouche, la sensation de chaleur, c'est la sensibilité trigéminale. Et en fait, ce nerf, il nous permet de détecter des changements de température, d'avoir des sensations d'irritation, voire de douleur. C'est également ce nerf qui est impliqué quand vous coupez des oignons. Vous avez un certain nombre de molécules qui vont un peu de partout, et quand elles se déposent sur votre œil, comme c'est des molécules qui sont un peu dangereuses, puisqu'elles comportent du soufre, eh bien, le système trigéminal va faire en sorte que vous produisiez des larmes pour diluer le produit. Donc on a la gustation qui permet d'avoir des sensations de type acide, sucré, salé, amer, umami, la sensibilité trigéminale, et on a également donc ce qui est l'objet de la conférence d'aujourd'hui, l'olfaction qui permet de reconnaître des millions, certains disent également des milliards d'odeurs. Alors au niveau du système olfactif, si on fait un zoom sur cette partie ici en rose, eh bien le système olfactif, il débute avec ce qu'on appelle une muqueuse olfactive, qui est composée d'un mucus dans lequel on va avoir un certain nombre de cils qui vont baigner. Ces cils, en fait, c'est le prolongement de ces structures ici qu'on appelle les dendrites des neurones. Alors, les neurones olfactifs, ils font partie de ce qu'on appelle l'épithélium olfactif, qui va être constitué de trois types de cellules. Les neurones en couleur, vert, rouge, bleu, violet. Les cellules de soutien, qui portent bien leur nom, puisqu'elles vont venir soutenir le bon fonctionnement du neurone. Et les cellules basales, qui vont être là pour permettre une régénération des neurones. Donc, si on revient au neurone, il est composé de dendrites. À la périphérie des dendrites, on a ces cils ici. Et puis, on a également des axones qui vont en fait traverser cette structure osseuse grise, qui est un os de la base du crâne qui s'appelle l'ethmoïde. Excusez-moi. Donc, l'ethmoïde a des petits trous, on appelle ça la lame criblée de l'ethmoïde, et tous les axones des neurones olfactifs vont passer à travers cette petite lame criblée pour atteindre une structure qu'on appelle le bulbe olfactif, que vous voyez ici en jaune. C'est la première structure, le premier relais de l'information olfactive dans la boîte crânienne. Alors, si on fait un zoom sur le neurone ici, et notamment sur un cil, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, les molécules odorantes, elles s'accrochent sur des récepteurs qui sont ici en gris, et ces récepteurs, ils ont une particularité. En fait, ce sont des protéines. Et qui dit protéine, dit génome. Quand on a besoin de les produire, on doit scanner une espèce de code barre qui est dans notre génome. Donc, notre génome, il est constitué de chromosomes. Et au sein de ces chromosomes, on a ce qu'on appelle les gènes, ce que j'ai appelé le code barre. Et quand on doit produire une certaine protéine ou l'exprimer quelque part, eh bien, on va venir synthétiser cette protéine à partir d'ADN puis d'ARN. Et donc, ensuite, la protéine va pouvoir
s'exprimer au niveau du neurone olfactif. Une particularité de l'olfaction, c'est qu'en fait, on n'a pas 1, 2, 10 récepteurs olfactifs, donc 1, 2, 10 gènes, mais on en a 1000 au total. Alors 1000, ça peut paraître petit ou grand selon la manière dont on compte, mais quand on relativise par rapport au nombre total de gènes dans notre génome, qui sont selon la manière de compter soit 20 000, soit 30 000, ça représente 3 à 5% du génome. C'est très très grand, ça en fait une des plus grandes familles, sinon la plus grande, des gènes qui constituent notre génome. Et dans ces 1000 gènes, en fait, ces 1000 gènes ne vont pas tous exprimer des protéines. En fait, il n'y en a que 300 à 400 qui vont exprimer. Ici, j'ai mis 350 à 400. Et les 600 restants, on appelle ça des pseudogènes. Ils sont un peu en position off. Alors, un odorant, quand il va venir se fixer sur un récepteur, eh bien, il peut activer un récepteur spécifiquement, donc comme c'est le cas de cet odorant ici en vert, mais il peut activer également un récepteur violet, un récepteur rouge et un récepteur vert. Et puis en retour, un récepteur peut être activé par une molécule odorante ou plusieurs. Donc ici, on a ce qu'on appelle un code combinatoire qui est extrêmement élevé et quasi infini. On a des capacités de discrimination olfactive qui vont être très très élevées. Et à cela s'ajoute le fait que on ne va pas exprimer d'un individu à un autre le même set de récepteurs olfactifs. Et donc ça va conduire en fait à une variabilité entre les individus dès le niveau du récepteur. Et vous imaginez les conséquences. Si une molécule active le récepteur ABC, si moi je n'exprime pas le récepteur A, donc ce que je vais avoir comme activé, c'est B et C. Et si l'un ou l'une d'entre vous n'exprime pas le C, vous allez activer le A et le B. Donc dès la périphérie, on commence à avoir des différences. Et ça va être important pour comprendre les mécanismes qui conduisent à la diversité olfactive. Alors, par rapport à la manière dont cette chimie des molécules odorantes, on peut la relier à la perception. Ça a été un très grand débat et ça l'est encore aujourd'hui de ce qu'on appelle en anglais le stimulus percept issue. Hein, pourquoi une odeur sans la rose? Pourquoi une odeur sans le citron? Et dans cette optique, on a réalisé une étude avec des collègues informaticiens où on a constitué une très très grande base de données, hein, environ 2000 molécules odorantes, qui étaient caractérisées par des qualités olfactives, hein, comme fruité, boisé ou jasmin, très spécifiques. Et puis, ces molécules, elles étaient également caractérisées du point de vue physico-chimique, avec des milliers de propriétés physico-chimiques. Et à l'aide de techniques issues de l'intelligence artificielle, et notamment de la famille du data mining, et à l'intérieur du data mining, les techniques qu'on a utilisées, les algorithmes, ce sont des algorithmes de recherche de sous-groupes, on a cherché des sous-groupes qui sont très très similaires du point de vue qualitatif et du point de vue de la chimie, et on a réussi à avoir un certain nombre de règles qui permettent, avec un taux d'erreur hein, quand même, hein, qu'on reconnaît, qu'on affiche hein, dans les résultats, mais des règles qui permettent de décrire qu'est-ce que c'est qu'une molécule de jasmin. Donc on pourra y revenir dans la discussion, je ne vais pas revenir sur ces règles maintenant, mais c'est juste pour vous donner une idée que cette relation chimie-perception, elle est très très difficile à étudier. Pour l'étudier, il faut des données extrêmement élevées, et même quand on a ces données, on peut générer des règles, mais qui sont associées à un certain taux d'erreur. Alors ensuite, quand on explore les mécanismes cérébraux, on peut le faire avec l'imagerie cérébrale, où on va mettre une personne dans un scanner à IRM, on fait sentir des odeurs, et puis on va voir un peu de partout des régions s'activer. Et ces régions, c'est principalement le cortex piriforme, qui est la structure olfactive dite primaire, mais également des zones qui sont impliquées dans les structures, dans les systèmes, les processus émotionnels ou de mémoire, comme l'amygdale, le cortex entorhinal, l'hippocampe ou encore le cortex orbitofrontal, qui est une région associative, c'est-à-dire qu'elle va permettre d'associer une odeur avec une émotion, un contexte, etc.
Alors, dans une étude, on a justement essayé de comprendre le rôle de chacune de ces régions dans le traitement d'une odeur, et on a montré, par exemple, que la structure qui reçoit l'information du bulbe olfactif, le cortex antérieur piriforme, eh bien, cette structure, en fait, elle va surtout représenter les caractéristiques chimiques de la molécule. Ensuite, cette information chimique, elle est transformée en un code perceptif dans le cortex piriforme postérieur. Hein, on voit bien ici que les représentations perceptives, le fait que l'odeur soit familière, agréable ou intense ou comestible, ce sont des choses qui, en fait, vont être associées à une activité dans le cortex piriforme postérieur. Et puis pour l'amygdale, on a également eu cette association assez intéressante dans la mesure où elle s'activait beaucoup plus pour la détection de traits comme des sensations irritantes, douloureuses. Voilà. Alors ensuite, avec ma collègue Nathalie Manderon, on est allé un peu plus loin. Et la question posée ici par Maëlle Midroit, ça a été de savoir si les odeurs, et notamment agréables, pouvaient activer des zones impliquées dans le système de récompense. Ça a été le cas, notamment avec une activité prononcée au sein du tubercule olfactif. Alors, cette perception olfactive, telle que je l'ai décrite, il ne faut pas avoir en tête qu'elle est extrêmement stable. En fait, elle est extrêmement plastique et elle est extrêmement variable. Et ces facteurs de variation, ils sont multiples. Il y a la gestation, l'état hormonal, le genre, le développement, le vieillissement, la satiété. Quand on perçoit une odeur avant ou après manger, on ne va pas la percevoir de la même manière, notamment du point de vue affectif ou hédonique. Un certain nombre d'états pathologiques, la maladie d'Alzheimer, une certaine forme de cancer, les variations génétiques, la culture, l'apprentissage, le langage et puis tout notre environnement chimique. Donc, il faut retenir que la perception olfactive, certes, c'est basé sur des mécanismes biologiques, mais à cela va s'ajouter la trajectoire développementale de chacune et chacun. On va être exposé à des objets olfactifs qui vont être perçus dans des contextes différents. Certains peuvent avoir un souvenir d'une odeur quand ils ont eu les résultats de leur bac et qu'ils ont eu leur bac avec mention très bien. D'autres peuvent associer une odeur particulière avec un stress. Et donc là, ça peut induire un état affectif qui est complètement différent. Donc voilà, donc la perception olfactive, c'est certes de la biologie, mais également plusieurs facteurs cognitifs et culturels qui vont venir s'ajouter comme un millefeuille pour faire votre propre perception olfactive. Alors, je vais vous donner maintenant un certain nombre d'études qu'on a menées qui, justement, mettent la lumière sur ces facteurs de variation. Un exemple, les connaissances sémantiques. Dans cette étude, nous avons isolé cette molécule, le trans-2-hexénylacétate, et on l'a fait sentir. Alors, trans-2-hexénylacétate, vous allez au supermarché, vous achetez une banane plutôt verte, vous prenez la peau de la banane, vous la grattez, vous sentez. Ça sent à peu près ça. Et ici, chez un groupe contrôle, on a présenté l'odeur une fois, on demande à la personne de nous dire si c'est bon ou pas bon. Donc sur une échelle de 1 à 9, la note est de 6, donc c'est moyen plus bon. Ensuite, quand on représente l'odeur une deuxième fois, ben on a à peu près la même note. Ça baisse un peu, mais ce n'est pas significatif. Si on prend un groupe test où on fait la même chose la première fois, tiens, sens et dis-moi si c'est bon ou pas bon, donc on a à peu près la même note. Et la deuxième fois, on va dire à la personne, tiens, sens, c'est une odeur de banane. Donc là, on voit bien qu'on a complètement biaisé la perception hédonique de l'odeur dans la direction en fait de l'hédonicité du label en lui-même. Et ce qu'on a également montré, c'est que cet effet sur la perception avait un corrélat neurophysiologique, notamment au sein du cortex orbitofrontal. Alors, au niveau de la culture, on a pris l'exemple de l'odeur de Wintergreen, qui est une odeur qui est en fait induite par cette molécule, le méthylsalicylate. C'est une molécule qui est couramment utilisée dans les bonbons et les sodas au Canada. Et en Europe, et notamment en France, c'est surtout utilisé pour les produits médicinaux, hein, comme les baumes pour le soin des muscles.
Et donc, on a testé un groupe de Français, puis un groupe de Québécois qui parlaient le français. Et puis, on a constaté en fait que pour cette odeur, le Wintergreen, on avait des perceptions qui étaient complètement différentes en lien avec l'usage que les personnes en font. Donc, familiarité beaucoup plus élevée chez les Québécois, le caractère plaisant, et puis regardez la comestibilité, c'est quand même la même molécule, mais elle va être évaluée de manière totalement opposée en termes de lien avec l'aliment. La génétique, avec des collègues de Toulouse, notamment Denis Pierron, qui a dirigé cette étude, et puis ma collègue Arilanto Razavintra-Vrazaka. Donc, on a étudié l'aspect génétique de l'olfaction en prenant l'exemple de cette molécule qui est la bétaïonone. C'est une molécule qui induit une odeur de violette. Et cette molécule, elle a une particularité, c'est qu'on connaît le récepteur qui est activé. C'est un récepteur donc olfactif qui est situé au niveau du chromosome 11, qu'on appelle donc le gène, pardon, est situé sous le chromosome 11. On va l'appeler OR5A1. Donc OR, c'est le code pour olfactory receptor. Et ce gène, il a une particularité, c'est qu'il est polymorphique. Donc en fait, il peut s'exprimer, il peut avoir différents génotypes. Soit le papa nous donne A et la maman nous donne A. Donc on a un allèle A et l'autre, un allèle A et l'autre allèle A, donc ça nous fait un génotype AA. Si on a A et G, ben ça nous fera AG. Et puis on peut avoir aussi la configuration GG. Et ce qu'on constate, c'est que le génotype AA, la grande majorité des personnes, en fait, ne détectent pas cette odeur. On appelle ça une anosmie spécifique. D'autres la détectent un peu moins, c'est une hyposmie. Et puis les deux autres génotypes, AG et GG, eh bien, c'est des personnes qui vont être normosmiques, qui vont sentir normalement ces odeurs. Et en fait, à cet effet sur la sensibilité viennent s'adosser des effets sur la perception, où en fonction du génotype, on ne va pas du tout percevoir la même chose. Ma collègue Camille s'intéresse également aux odeurs biologiques, donc Camille Fardenzi. Et dans des travaux, on a isolé cette molécule qui s'appelle le HMHA, c'est une production acide de notre sueur. Et en la faisant sentir à des femmes à différents stades de leur cycle menstruel, on a constaté en fait que cette molécule était perçue de manière plus intense durant la phase fertile que durant la phase non fertile. Et ce n'était pas le cas pour d'autres molécules comme l'alcool phényléthylique qui sent la rose. Et puis, je vais terminer cette partie sur les connaissances scientifiques avec des travaux qu'on a menés sur les altérations olfactives. Donc, les altérations olfactives, l'anosmie, c'est la perte totale, l'hyposmie, c'est une perte partielle. Je ne m'arrêterai pas sur les autres formes de troubles, mais on pourra y revenir dans les questions. Il y a différentes causes, hein, post-infection, hein, comme c'est le cas pour le Covid, mais également post-traumatique à la suite d'un accident. La prévalence, on l'a étudiée en France. C'est à peu près 20% de la population française qui a un trouble olfactif. La grande majorité, ce sont des hyposmies. Et on va avoir une portion de personnes anosmiques, mais qui correspondent surtout à des personnes âgées ou des personnes qui ont certaines pathologies liées au vieillissement notamment. Alors, on peut avoir également un effet sur la qualité de vie, hein, qui va être visible, notamment parce que les personnes, celles notamment qui ont des troubles olfactifs qui sont supérieurs à 6 mois, eh bien, vont développer des fantosmies, des odeurs fantômes, et c'est très difficile, hein, de vivre avec des odeurs fantômes, comme vous pouvez l'imaginer. On a également montré que les patients dont l'odorat est altéré, ils sont plus susceptibles d'être victimes d'accidents domestiques, de présenter un taux de dépression plus élevé. Ils ont des déficiences liées à la sécurité, à l'hygiène, présentent des problèmes dans la vie professionnelle, dans certains domaines, hein, et puis une altération de leur comportement alimentaire. Alors, ces avancées scientifiques, de temps en temps, parfois, on peut tenter d'utiliser, de les utiliser ou de les mettre en œuvre pour en tirer un avantage, pour mettre en place des innovations. Et dans notre équipe, en fait, on a fait plusieurs fois ce pont entre la transformation de résultats scientifiques en innovation et dans plusieurs domaines. Donc le bien-être, hein, avec des travaux, avec notamment nos collègues de l'Institut Paul Bocuse ou des associations comme Brocoli Factory ou un pas en avant des associations de personnes avec autisme.
Ici, l'idée, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes sensoriels qui vont expliquer pourquoi certains patients s'alimentent mal ou différemment. L'industrie des arômes, avec notre partenaire sur certains projets, hein, MAN, de l'environnement, avec des collaborations avec Suez, l'industrie du parfum, de l'automobile, des technologies numériques et également diagnostic et remédiation avec certaines associations. Tout ça, par exemple, ces 5 dernières années, ça a été 4 chiffres dans l'équipe. Des collaborations entre le CNRS et le privé, notamment à travers des régions également, des projets financés par la région, par les SAT, mais également des projets européens, comme je vais y revenir. Alors, ces méthodes, c'est surtout des méthodes eh bien, qui permettent de mesurer les émotions. Alors, ça peut être des méthodes, j'allais dire, qu'on peut prendre de l'étagère, c'est-à-dire des choses qui existent déjà, mais qu'on a adaptées aux odeurs, notamment la mesure des émotions faciales en utilisant le système FACS, ou encore la mesure du système nerveux périphérique, ou encore une mesure automatique des émotions faciales sans capteur, juste avec une caméra. Ça, pour être très honnête, ça marche beaucoup moins bien, mais ça peut être utile quand on a des populations qui n'ont pas de langage ou un langage qui est difficilement, entre guillemets, exploitable du point de vue d'une expérience, et c'est notamment le cas chez des enfants avec autisme. On a également développé un certain nombre de méthodes avec nos collègues, notamment Nathalie Mandéron, sur une méthode qui est basée sur le temps passé dans un environnement, donc dans un environnement olfactif, hein, qui peut être un indicateur de la préférence vis-à-vis de l'odeur qui est dans un compartiment qu'on est en train d'étudier. Également, le comportement moteur quand une personne est en train de flairer un flacon. Donc, les accélérations, la vitesse d'approche du flacon, c'est corrélé à la valence hédonique. Et puis, le flairage, le temps de réponse olfactif, qui peut être également un indice de la valence hédonique des odeurs. Des techniques de diffusion d'odeurs avec un développement d'olfactomètre qui permet d'avoir. Eh bien, un calibrage des molécules odorantes dans une expérience donnée. On n'a pas encore fait le pas pour faire des applications, même si on a été approché, notamment pour contrôler à distance les odeurs, pour faire une sorte de digitalisation, qui est une fausse digitalisation olfactive, puisque c'est simplement donner un ordre à un olfactomètre à distance pour envoyer une odeur. Diagnostic et rééducation de l'odorat. Il existe plusieurs tests hein, dans le monde, hein, des scratch and sniff. Hein, on prend un papier odorant, on le gratte et on sent. Des stylos. À Lyon, on a développé un test avec flacon. Et en ce moment, avec mes collègues Erwan Moussy, Arnaud Fournel, Camille Ferdinandi et Marion Richard, on est en train de travailler sur une nouvelle génération de tests scratch and sniff qui sont des tests connectés qui pourraient être utilisés en diagnostic et en remédiation. Et puis, dernier exemple que je voulais donner, c'est un nouveau paradigme, une preuve de concept de, entre guillemets, prothèse olfactive, dans laquelle en fait, je coordonne un projet européen avec 7 partenaires. C'est un projet qui a pour but de comprendre les processus biologiques en lien avec l'olfaction, de développer des capteurs et des stimulateurs qui vont permettre pour les capteurs de capter des molécules odorantes et ensuite pour le stimulateur de stimuler le système olfactif. Et puis de connecter ces capteurs et stimulateurs afin de les tester chez des patients. Donc là, il nous faut des experts en nanotechnologie au LETI, au CEA, des experts en microtechnologie, donc l'École polytechnique de Lausanne, des experts en biotechnologie qui vont faire le lien entre les capteurs et le stimulateur. On a également nos collègues à l'École polytechnique de Milan qui vont utiliser leur expertise en design mécanique hein, pour pouvoir adapter au mieux à l'expérimentation humaine cette preuve de concept. Et puis nos collègues à Dresde, à Salonique et puis nous-mêmes à Lyon pour tester les populations de patients. Donc je conclus. Le message qu'il faut retenir, c'est que l'odorat, contrairement aux idées qui étaient véhiculées à la fin du 19e siècle, mais il est d'une importance capitale pour les êtres humains. En fait, depuis la nuit des temps, il va distinguer 2 notions qui sont importantes pour nous, c'est le danger et le plaisir. Et il va s'adapter constamment aux changements
sociaux et culturels. C'est un sens qui est flexible et plastique, et qui est sujet à des modifications inter- et intra-individuelles au sein des groupes sociaux et également entre eux, ce qui va expliquer ce qu'on appelle les différences culturelles. C'est un sens qui peut être également utile à l'étude d'autres fonctions, comme les émotions, la mémoire, le langage. Et puis c'est un sens qui ouvre la porte à plusieurs formes d'innovation. Des innovations qui vont impacter l'économie, la société, et puis également, et ça va se faire sous la forme de développement de nouveaux produits, de services, qui vont être plus proches des attentes, alors des consommateurs d'une part, quand c'est un projet en lien avec un industriel, mais également des patients pour améliorer l'état de santé, la qualité de vie, le confort et leur sécurité. Alors, en retour, ces innovations, elles peuvent avoir des effets directs et indirects pour le laboratoire. Les effets directs, c'est effectivement une valorisation financière, il ne faut pas se cacher, hein. Collaborer avec un industriel, ça peut aider à financer des postdocs, des doctorants, mais c'est également une mise en valeur des connaissances acquises, hein, dans notre laboratoire. Ça va être, par exemple, qu'un article dans lequel on a développé une méthode ne reste pas dans un coin sans que personne en prenne connaissance. C'est également valorisant qu'il soit utilisé d'un point de vue très appliqué. Et en fait, il ne faut pas voir qu'une exploitation commerciale sous la forme de brevets ou de licences. Les brevets, c'est important, mais l'innovation, c'est également un échange de connaissances entre des scientifiques, des industriels, voire même des associations. Ça permet de solutionner et lever des verrous scientifiques, mais aussi méthodologiques. Et ça permet, et ça c'est très important pour nous, de tester des hypothèses scientifiques originales dans un contexte écologique. Ça nous sort en fait de notre labo, de la paillasse. Et puis ça valorise en fait l'impact des résultats fondamentaux sur les outils ou les méthodes exploitées par les entreprises ou les associations. Enfin, on a des effets indirects qui sont beaucoup moins visibles. Ça va prendre la forme d'une valorisation sociale ou sociétale, vous utiliserez le terme que vous voulez, qui n'est pas forcément marchande. En fait, on va avoir des retombées économiques qui sont visibles à d'autres niveaux d'analyse, avec d'autres indicateurs. Tout ce qu'on fait chez les patients, eh bien, il faut mesurer la baisse de l'isolement social, par exemple, quand on travaille sur des problématiques en lien avec l'alimentation. L'alimentation, quand une personne ne mange pas, elle va avoir un problème d'isolement social et là, c'est des facteurs sur lesquels on peut jouer, on peut avoir une influence. L'amélioration du bien-être des personnes, des patients. Et tout ça, c'est difficile à quantifier sur le court terme. Et puis, il y a également un effet indirect, c'est le devenir de nos étudiants. Ce n'est pas forcément que la voie académique qui peut être ouverte, c'est eh bien, travailler chez un industriel pour mettre en place un laboratoire pour nous de neurosciences qui va permettre de tester des choses très innovantes. Je terminerai avec les défis de demain. J'en ai parlé, une prothèse olfactive, c'est une question qui revient assez souvent de la part des patients ou des personnes intéressées par l'odorat. Mais il y a également d'autres domaines qui sont très très importants. Un en lien avec les sciences humaines et sociales, c'est l'éducation olfactive des adultes, des enfants, où là, il y a clairement, on va dire, un no man's land, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de chercheurs et d'associations qui travaillent là-dessus, hein. Mais il faut faire plus. Et puis la digitalisation des odeurs, mais la vraie, pas une commande à distance d'un micro-olfactomètre, une vraie digitalisation. De la même manière qu'on envoie des sons ou des images par ordinateur. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je remercie tous mes étudiantes et mes étudiants et mes collaboratrices et mes collaborateurs. Merci. Merci beaucoup Mustapha, Mensafi pour cette présentation vraiment éclairante. Donc merci également donc pour toute l'équipe qui a organisé ce webinaire, donc Marie Cotte qui a présenté également, Clémentine Robert qui était pour tous les aspects logistiques et communication qui est derrière. Donc je précise avant de passer à la séance de questions-réponses que Mustapha Mensafi et son équipe, notamment avec la professeure Anne Didier, sont responsables d'une formation de 2 jours qui sera organisée à l'automne prochain sur les neurosciences sensorielles et cognitives. Donc le lien vous sera envoyé, mais nous vous donnons là, sur cette slide quelques indications essentielles sur cette formation qui s'adresse quand même à un public de Cannes, de scientifiques voilà, qui ont besoin d'approfondir un petit peu cette démarche scientifique.
Nous allons passer à la séance de questions-réponses. Donc, je vais afficher une première question où les gens s'interrogent, par exemple, sur comment expliquer qu'une même molécule odorante soit perçue olfactivement de manière très différente selon les personnes. Par exemple, le fruit du durian sent très bon pour certains, tandis qu'il sent mauvais pour d'autres. Alors, j'ai la même question avec l'ail et l'oignon aussi. Voilà, donc est-ce que vous avez des éléments par rapport à ça? Alors, effectivement, c'est une question qui revient assez souvent et comme vous l'avez compris, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. On a eu récemment deux thèses sur ce sujet de la diversité olfactive. Marie-Lou Mantel, il y a un an, qui a soutenu avec un versant plutôt neurosciences et philosophie. Et puis Maëlle Morange, qui a soutenu ce mois de janvier en utilisant des outils d'intelligence artificielle pour essayer de répondre à cette question. Mais de manière un peu plus globale, en fait, si on prend l'exemple du durian, c'est un fruit qui est beaucoup utilisé en Asie du Sud-Est, et qui est consommé, pardon, et ça sent clairement, ça sent une odeur extrêmement soufrée, qui est insupportable pour les Européens. Alors, l'explication, elle ne tient pas seulement à la biologie. En fait, on pourrait poser la même question du fromage. Par exemple, moi, j'aime le Saint-Félicien et j'aime son odeur. Donc, je suis né en France, je vis en France, j'ai grandi avec ces fromages qui pourraient être perçus de manière très désagréable par d'autres. Effectivement, si ce fromage le fait sentir, par exemple, à des collègues en Californie ou au Texas, ils vont penser, alors là, c'est une image, hein, mais que j'ai mis une odeur dedans, une molécule dedans, et que c'est une farce, parce que pour eux, c'est pas ça un fromage. Et effectivement, pour nous en Europe, avoir une molécule qui sent la boule puante dans un fruit et qu'on consomme, c'est absolument pas congruent et cohérent. Donc, ce qu'on pense, hein, ce que pense la communauté scientifique, c'est qu'il y a un effet de familiarité, c'est-à-dire que on va se familiariser avec cet objet. On a également des éléments de connaissance sur cet aliment qui peut être bon pour la santé. Donc en fait, toutes ces croyances et cette interaction au sein d'une culture va faire que ben ça va être acceptable. Par contre, moi je fais le pari. Je ne l'ai jamais testé, mais ça pourrait être quelque chose d'intéressant à tester. Je fais le pari que si on prend le durian, on prend avec une technique de chimie, on arrive à extraire son odeur, et que son odeur, on la met dans un flacon. Si on met cette odeur dans un flacon et qu'on la présente à des personnes en Asie du Sud-Est, donc l'odeur, elle est complètement décontextualisée, eh bien, moi, je pense qu'elle sera perçue comme étant extrêmement désagréable. Puisque le contexte n'est plus là. Le contexte n'est plus là, même si l'odeur peut rappeler ce contexte-là, hein, ça a été montré dans plusieurs travaux, mais comme on n'a plus l'interaction avec l'objet visuel qui est devant nous, le fait que du point de vue nutritif, il est bon d'en consommer, eh bien, on va avoir une perception hédonique qui est complètement différente. C'est ce qui a été plus ou moins montré avec tous ces travaux qui s'intéressent à l'effet du label, de la connaissance de l'odeur sur la perception hédonique, dont je vous ai présenté un exemple d'étude menée dans notre équipe. Merci. Alors, nous avons une question sur la parosmie. Parosmie, pourquoi on sent une odeur différente alors que le récepteur et la molécule n'ont pas changé? Alors, je ne sais pas si le récepteur a changé ou pas. On peut supposer que ça n'a pas changé, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, et effectivement, la molécule ne change pas, puisque c'est un élément physique, hein, mais en termes de biologie du système, on a très peu d'informations, finalement. Ce qu'il faut retenir, c'est que la parosmie, ça fait partie des troubles qualitatif. Tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de tout présenter, mais les troubles quantitatifs, c'est l'hyposmie, la perte partielle, ou l'anosmie, la perte totale. Les troubles qualitatifs, donc la parosmie, c'est je sens une odeur de poulet, par exemple, et je vais dire oh, ça sent la cacahuète. Donc en fait, on a un changement qualitatif. Le plus souvent, c'est une odeur mais de poulet, mais on va dire ça sent pas bon. Ou alors ça sent quelque chose qui est plutôt désagréable. Et puis,
Un autre trouble qualitatif, c'est la fantosmie. Ce sont les odeurs fantômes. Il n'y a pas de molécules chimiques dans l'environnement qui pourraient être responsables des odeurs qu'on a dans notre tête. Alors, maintenant, pourquoi on sent une odeur différente? Eh bien, il faut savoir que ces troubles qualitatifs, la parosmie, la fantosmie, le plus souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais apparaissent au fur et à mesure que le trouble quantitatif s'installe. En fait, la parosmie, on pense, et la fantosmie, que c'est un signe que le système, à un moment, il a souffert, on a perdu l'odorat, ou il s'est passé quelque chose, et il est en train de se reconstruire ou reconstituer, et en fait, il ne va pas se reconstruire comme il était avant. Donc, il y a des hypothèses sur le fait que ça se passe dans la muqueuse, donc peut-être au niveau des récepteurs. Il y a des hypothèses qui stipulent notamment pour les troubles post-traumatiques, quand on a eu un choc au niveau du nez, du visage, du cerveau, que eh bien, la repousse des axones qui va traverser la lame criblée de l'ethmoïde dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui va faire synapse dans le bulbe olfactif, cette repousse ne va pas être la même, elle va peut-être se faire de manière un peu anarchique. Et donc, en fait, toute cette circuiterie qui est plus comme avant va faire que on va avoir des modifications qualitatives. Voilà. Donc, c'est à peu près les éléments de connaissance qu'on a. J'en oublie certainement parce que je ne suis pas expert dans ce domaine de la parosmie. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'experts dans le monde qui ont, on va dire, étudié toute la complexité de ce trouble qualitatif. Mais en tout cas, voilà. Peut-être des problèmes au niveau de l'épithélium olfactif et de sa régénérescence, et également des problèmes de circuiterie, j'allais dire. Merci. Alors, une autre question d'ouverture. Donc, chez les personnes atteintes d'Alzheimer, peut-on, à partir de certaines odeurs, faire revenir certains souvenirs dont la personne ne se souvenait plus avant la stimulation? Alors, Alzheimer ou peut-être Ouais. un canon. Ouais. Alors, il y a deux choses dans cette question. La première, c'est le fait d'utiliser les odeurs pour eh bien, on va dire, déclencher, amorcer ou stimuler notre mémoire pour réactiver des souvenirs. Ça, si on enlève Alzheimer, ça a été initié, on va dire, plutôt dans des pathologies du type traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral, des pathologies où on avait des lésions qui touchaient au système de la mémoire et où on cherchait en fait à réactiver des souvenirs. Et il est vrai qu'il y a plusieurs, on va dire, travaux qui ont été menés dans des hôpitaux qui montrent que quand on stimule de manière régulière quelqu'un qui a un trauma au niveau du cerveau, eh bien, on peut utiliser les odeurs pour le faire parler de certains souvenirs. Maintenant, par rapport à l'Alzheimer, eh bien, ça a été utilisé dans le même contexte pour justement essayer de maintenir une mémoire, essayer de faire parler les gens de leurs souvenirs. Mais c'est une possibilité, mais ça ne va pas être applicable chez tous les patients, puisque on a montré qu'il y a 80% des patients Alzheimer qui ont des troubles olfactifs. Et pour certains, c'est des troubles assez sévères. Donc en fait, si on leur présente des odeurs et qu'ils ne sentent pas, ça va être difficile de leur faire retrouver des souvenirs. Mais néanmoins, il y a une partie de ces patients, ou peut-être des patients dont l'odorat, on va dire, n'est pas encore extrêmement dégradé, qui pourraient effectivement utiliser ces stimulations olfactives pour leur faire maintenir une forme de mémoire, et notamment émotionnelle, dans ce genre de paradigme. Alors, une autre question en lien avec le médical, une rhinoplastie peut-elle altérer l'odorat? Alors ça, il faut demander aux spécialistes ORL. Je ne suis pas chirurgien ORL. Ouais, je ne peux pas fournir de réponse à cette question. Ouais.
Alors, il y a une autre question, peut-être aussi clinique, que je me permets de poser. Est-ce que les pertes d'odorat totales ou partielles peuvent être exploitées comme marqueur de maladies autres que celles liées au système olfactif? Peut-être c'est aussi très vaste comme question. Ouais. Oui, c'était toute l'ambition de beaucoup de recherches qui ont été menées dans les années 80, notamment la maladie d'Alzheimer ou le Parkinson, où en fait, ce sont ces maladies neurodégénératives, on va voir des troubles olfactifs qui se déclarent assez tôt, des fois avant même que la maladie se déclare, hein, la maladie d'Alzheimer. Pourquoi? Parce qu'en fait, les zones de l'odorat, je l'ai dit tout à l'heure, sont des zones qui sont enchevêtrées avec les zones de la mémoire et des émotions. Et ces zones-là, notamment au niveau de l'hippocampe, sont des régions qui sont altérées dans la maladie d'Alzheimer. Et des fois, du point de vue clinique, on n'arrivait pas à le voir. Mais comme la personne perdait l'odorat, ça pouvait être un signe. Mais néanmoins, avec tous les marqueurs biologiques qu'on a aujourd'hui, c'est un marqueur olfactif qui peut pas être pris tout seul. Il y a des études qui montrent que si on l'intègre à d'autres facteurs biologiques, il peut aider à encore plus affiner le diagnostic. Et puis, la deuxième famille de pathologies, c'est effectivement tout ce qui s'est passé eh bien, dans le Covid. Où là, en fait, la perte d'odorat pouvait signaler une infection chez des personnes qui étaient asymptomatiques. Et donc, en fait, et d'ailleurs, ça a été repris dans beaucoup de médias où, je crois, le professeur Salomon sur BFM TV ou d'autres supports avait déclaré au bout de 2, 3 jours de confinement que si on avait une perte d'odorat, on devait rester chez soi. Donc là, on voit bien que c'était un marqueur qui était utilisé pour prévenir la contamination. Voilà, donc justement, à propos du Covid, si on développe un petit peu plus, sait-on à quel niveau, récepteur, axiome, bulbe ou plus loin, se passe l'anosmie due au Covid? Ouais, on ne sait pas. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on sait. Aujourd'hui, ce serait vraiment prétentieux de dire on sait comment ça se passe. Parce que toute cette affaire, elle s'est déroulée en 2 ans, voire en 1 an. Et la science, elle est allée trop vite. Il y a eu beaucoup de publications. La manière dont les travaux de recherche doivent être menés, c'est pas à ce rythme-là. Même si on s'est dépassé dans les laboratoires, on a dépassé nos capacités et techniques et parfois intellectuelles pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Mais on peut pas dire qu'on sait. Néanmoins, on a des éléments d'information qui nous permettent on va dire, lister un certain nombre d'hypothèses. Donc, la première chose qui a été évaluée, c'est le virus de SARS-CoV-2. On sait qu'il se fixe sur des récepteurs, notamment le récepteur ACE2, qui est situé sur certaines cellules de l'organisme. Et ces cellules, en fait, eh bien, c'est des cellules qui sont dans des organes ou des tissus à travers lesquels, en fait, on va voir des symptômes. Par exemple, au niveau du système respiratoire, mais également, il y a des cellules dans la cavité buccale, dans la cavité nasale, qui ont ces récepteurs-là. Donc le virus, il se fixe sur ce récepteur, il peut rentrer dans la cellule et il va se multiplier. Et la question qui était posée, c'est est-ce que finalement, comme on perd l'odorat, est-ce que ce récepteur, il est situé au niveau du système olfactif? Et les travaux qui ont été menés ont montré que, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai présenté l'épithélium olfactif avec 3 types de cellules. Les neurones, les cellules de soutien qui garantissent un bon fonctionnement aux neurones et les cellules basales. Eh bien, ce qui a été montré jusqu'à présent, c'est qu'en fait, les récepteurs ACE2, ceux sur lesquels se fixe le virus, ils sont présents sur les cellules de soutien et les cellules basales, mais pas sur les neurones. Donc, ce serait un effet indirect. Ce serait un effet indirect. Après, donc, en fait, comme ces 2 types de cellules ne fonctionnent pas, eh bien, le neurone ne va plus fonctionner. Et donc, on a l'anosmie. Après, il y a une autre hypothèse, c'est celle de l'inflammation. L'inflammation,
au niveau, dès qu'on est infecté, ben, il y a une inflammation qui fait qu'on va avoir un œdème qui va se constituer tout en haut de la cavité nasale, au niveau de l'épithélium olfactif. Et cet œdème, ben, il va bloquer l'entrée de l'air vers les récepteurs, et donc on ne va plus sentir du tout. Il y a une autre hypothèse, et celle-ci, c'est vrai qu'elle est un peu plus effrayante, j'allais dire, mais il y a des collègues, hein, de l'Institut Pasteur qui ont montré des traces du virus au niveau du cerveau, dans le bulbe olfactif notamment, et d'autres structures. Ça a été fait sur très peu de sujets, mais il a été montré qu'en fait, que ben, le virus, finalement, pouvait passer à travers les axones du bulbe olfactif. Donc, beaucoup d'hypothèses, on ne sait pas tout, mais on a un certain nombre de pistes qui nous permettent de mieux comprendre comment ça fonctionne. Et ce n'est pas des pistes exclusives, ce n'est pas des hypothèses, soit l'une, soit l'autre. Ça peut être une combinaison des deux. Ça peut être aussi ben, différents mécanismes qui expliquent pourquoi certains récupèrent vite, d'autres récupèrent plus lentement, d'autres ont vraiment du mal à récupérer. Très bien. Merci. Alors, nous avons plusieurs questions sur les nouvelles technologies, on va dire. Alors, une première question, alors je ne sais pas exactement à quoi faire référence, mais que pensez-vous des nouvelles applications type Shazam des odeurs, donc de reconnaissance automatique, je suppose? Est-ce que Je ne c'est... connaissais pas le Shazam des odeurs. J'utilise souvent Shazam Pour la quand musique. mes enfants me fredonnent une chanson et me disent, mais qu'est-ce que c'est que cette chanson? Donc, mais je ne sais pas, je ne sais pas à quoi correspond le Shazam des odeurs. J'imagine, hein, j'imagine que ça doit être un système du type nez artificiel où on présente une odeur devant un nez artificiel et puis le nez artificiel va nous dire quelle est cette molécule ou quelle est cette odeur. Ça existe, mais ce n'est pas présenté sous la forme Shazam. Donc, je suis Oui. désolé de ne pas pouvoir aller plus loin. Non, j'avais été interpellé par cette question. Alors, peut-être une autre question en lien avec ce que vous avez un petit peu expliqué pendant la présentation. Donc, étant donné que les arômes et les odeurs sont déjà utilisés pour manipuler les consommateurs, à Ouais. quoi bon digitaliser les odeurs? Alors, merci d'avance pour votre réflexion sur une question qui est philosophique avant d'être pratique. Ben oui, ben, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir présenter la question sous un angle philosophique. Je trouve que c'est une excellente question. Je trouve que c'est une excellente question. Moi, je me suis assez souvent, quand je suis dans je sais pas moi, en déplacement, je me suis rendu compte que, il existait sans doute des espèces de labels olfactifs parce que, en sentant une odeur, je voyais pas le M du McDo, où je vais pas toujours, mais de temps en temps, mes enfants m'y traînent. Et sans voir l'odeur, je me suis dit, il y a un McDo quelque part. Sans voir le magasin, pardon, l'enseigne, hein, l'enseigne visuelle. Et sur la base de l'odeur, je me suis dit que. Donc, effectivement, cette manipulation, elle existe. Elle existe sous ce contrôle, où on appellera ça comme on veut, mais le problème de la digitalisation, il est différent pour moi. Il est différent. Il est que, en fait, digitaliser des odeurs, ça peut avoir des applications cliniques, ça peut avoir, bah, par exemple, réaliser des tests diagnostiques dans des hôpitaux. Pour savoir si une personne elle a une perte olfactive ou pas, on imagine bien le gain de temps, on imagine en fait un test auditif, on le fait avec un ordinateur, hein. Donc en fait, cette question de la digitalisation, elle n'est pas exclusivement liée à la manipulation du consommateur. Elle a un tas d'autres applications. Elle a un tas d'autres applications. Et c'est la manipulation des odeurs dont parle Antoine, pour moi, ce n'est pas de la vraie digitalisation, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. C'est un contrôle à distance d'une odeur. Les odeurs, je ne sais pas, moi, dans un showroom, quand une marque particulière veut vendre une voiture ou veut vendre un frigo ou je ne sais quoi, s'ils mettent des odeurs à proximité de leur stand, ce n'est pas de la digitalisation. C'est utiliser un olfactomètre qu'on contrôle avec un ordinateur et ça s'arrête là.
Donc voilà, j'ai pas répondu à la question et je le reconnais, mais je voulais juste insister que ce concept de digitalisation des odeurs, il n'est pas exclusivement relié à la manipulation du consommateur. Voilà, et au marketing, oui, évidemment. Ouais. Alors, justement, sur les techniques de la digitalisation et peut-être sur la mesure, alors une question un petit peu technique, mais est-ce que le lien entre les nez artificiels et la chromatographie gazeuse, est-ce que c'est vraiment cette technique-là qui est utilisée pour ressentir les odeurs ou est-ce qu'il y en a d'autres peut-être? Ah ben, un nez artificiel, c'est un terme extrêmement générique. Il y a beaucoup de familles de capteurs qui vont en fait permettre de détecter des molécules dans l'environnement. Et par rapport à une chromato en phase gazeuse, un nez artificiel, ça vous donne une réponse dans la seconde. Et ça vous donne une réponse. C'est quelque chose qu'on peut prendre avec nous dans des environnements, par exemple, confinés ou des environnements un peu dangereux, ou pour détecter la présence d'un gaz à proximité, je sais pas moi, dans des grottes ou c'est quelque chose qui est portable et qui pourrait être utilisé dans quasi n'importe quel contexte. Un nez artificiel n'est pas un nez biologique et naturel. Un nez artificiel, ça fait des choses extrêmement simples. Ça détecte une molécule. Il y a des nez dans lesquels on intègre des algorithmes qui vont permettre en fait de déterminer si l'odeur, la molécule qu'on a détectée, elle est plutôt florale ou plutôt fruitée. Donc ça, c'est des nez un tout petit peu plus évolués parce qu'ils ont une base de données à l'intérieur, mais le principe reste le même. Donc pour moi, ça fait partie on va dire, d'une catégorie d'outils qui permettent d'analyser chimiquement un environnement particulier. Ben, c'est ce que fait la chromato, très bien, mais néanmoins, son application dans des contextes particuliers, elle est pas unique, mais elle est complètement différente de celle d'une chromato. Alors, je reviens sur une question un peu plus clinique. Y a-t-il, à votre connaissance, des études explorant le lien entre troubles né de neurodéveloppement type TDAH, TSA et hypersensibilité olfactive? Alors, TDAH, je ne sais pas. TSA, je le sais, puisque on a mené plusieurs travaux et j'ai dirigé une thèse sur le sujet. Vous pouvez réexpliquer ce que c'est en Ah, vitesse pardon. ici. TDHA, c'est voilà. TDAH, pardon. C'est les troubles de l'attention, notamment. Et puis le TSA, c'est le trouble du spectre autistique. Si ces acronymes sont bien les acronymes que Elodie voulait préciser. Par rapport aux troubles du spectre autistique, en fait, c'est pas que de l'hypersensibilité. Dans le trouble du spectre autistique, on va avoir des personnes qui vont être hyposensibles, d'autres hypersensibles. C'est extrêmement variable. La chose qui est en commun, c'est que il y a une altération, il y a une fluctuation. De la perception olfactive. Et en fait, ça, les 4 années de travaux qu'on a menées avec ma collègue Anne-Claude Lisier et Geneviève Petit-Pierre nous ont montré que c'est nous, en tant que neurotypiques et expérimentateurs, qui mesurons ce qu'on croit être une hypo ou une hypersensibilité. Mais c'est nos outils, peut-être, qui sont pas adapté. Pourquoi? Parce que il faut savoir qu'une personne autiste, ça va être la perception qu'elle va faire de son environnement, il va être différent dans la mesure où on va avoir un traitement qui est peut-être sous certains aspects beaucoup moins conceptualisé, beaucoup moins ce qu'on appelle holistique, c'est-à-dire qu'ils vont détecter plein de choses dans l'environnement qu'une personne neurotypique va pas forcément analyser, puisque ça demande un effort cognitif trop élevé, mais va analyser comme un tout. Comme là, par exemple, moi, je vois un écran. Je ne vois pas différentes parties ou sous-parties de mon écran. Et ça, c'est la même chose pour l'alimentation.
L'alimentation, quand on met une poire dans notre bouche, on la mange, eh bien, on va ressentir un goût de poire, une perception de poire. Et alors qu'un enfant autiste, ben, ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, il va décortiquer tous les éléments chimio-sensoriels de cette poire et également la texture. Il va avoir du gluant, il va avoir une sensation sableuse, le sucre, l'odeur, les odeurs. Et ça va quasiment lui exploser dans la tête, hein, parce qu'il a vraiment trop de stimulation. Et donc, c'est une des hypothèses qui explique les comportements alimentaires qui peuvent être compliqués à gérer par les parents. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on sait à peu près des liens entre l'odorat et le trouble du spectre autistique ou les troubles du spectre autistique. C'est pas simplement à relier avec l'hypersensibilité, c'est relié avec une modification des traitements perceptifs qui sont plus analytiques que holistiques. Et ça a des conséquences sur notre comportement alimentaire. Merci. Alors, bon, nous avons eu bon, de très nombreuses questions, donc ça va être difficile de toutes les poser. Nous en sommes sincèrement désolés. Donc, pour toucher bientôt la fin de ce webinaire, je vais poser une dernière question qui concerne en fait la mémoire des odeurs. Donc, peut-être que est-ce que ce point, vous pourriez le développer un petit peu? Alors, véritable mémoire des odeurs. Donc, y a des spécialistes, hein, du domaine. Hein, je voudrais pas les offenser. Et notamment dans notre laboratoire, il y a plusieurs personnes qui sont spécialistes de la mémoire des odeurs. Ce que je peux te dire, c'est que en fait, une mémoire des odeurs qui serait isolée pour moi, ça n'existe pas. C'est la mémoire des odeurs. C'est en fait une représentation olfactive. C'est quelque chose qui est multidimensionnel et qui est extrêmement contextualisé. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand on sent une odeur, en fait, on va sentir l'odeur, mais on va également intégrer tout le contexte qui vient avec. Ça peut être un contexte visuel, un contexte émotionnel, et tous ces éléments de contexte, avec notre état physiologique, avec notre état affectif, va construire, eh bien, notre souvenir ou notre représentation olfactive. Et donc, une véritable mémoire des odeurs, pour moi, si la question posée c'était une mémoire vraiment spécifique des odeurs dans un coin du cerveau, pour moi, ça n'existe pas. C'est plutôt une mémoire qui serait d'ordre multidimensionnel, contextualisé, avec plusieurs composantes qui vont construire notre souvenir olfactif. Voilà, donc je propose peut-être d'arrêter sur cette question-là. Alors, juste si on peut revenir au mode présentation. Voilà, très bien. Donc, merci à tous. Vous avez été très nombreux à insister jusqu'à la fin de cette séance question. Donc, je remercie encore Mustapha, Bensafi, Marie-Cotte et Clémentine Robert pour ce webinaire. Et donc, je rappelle l'existence d'une formation plus approfondie qui aura lieu en novembre, à laquelle vous pouvez d'ores et déjà consulter le programme sur le site internet de CNRS Formation Entreprise. Donc, le replay sera envoyé à la suite de ce webinaire et il sera prochainement mis sur la chaîne YouTube de CNRS Formation Entreprise, sur laquelle vous pouvez également retrouver l'ensemble des webinaires qui sont proposés. Nous programmons d'ores et déjà, je vous fais une petite annonce, le futur webinaire, donc ce qui aura lieu le 21 mars, et ce sera sur un autre sujet, sur l'intelligence artificielle de confiance. Donc tout ce qui concerne l'explicabilité, les biais, les aspects juridiques qu'il peut y avoir donc autour de toutes ces notions-là. Et ce qui sera animé par Laurent Risser et Jean-Michel Loubès, qui sont chercheurs en mathématiques, statistiques à l'Institut mathématique de Toulouse. Donc vous avez sur cette slide le lien pour vous y inscrire, mais vous le recevrez également. Donc, je laisse Mustapha Ben Safi donner le mot de la fin avant de se quitter et je vous souhaite à tous une bonne journée. Eh bien, le mot de la fin, ça va être des remerciements. Donc, je remercie le public d'être venu très nombreux, apparemment. Et puis, je remercie Marie, Clémentine et puis Raphaël. Et je voudrais encore remercier tous mes étudiantes, mes étudiants et mes collaborateurs à Lyon,
mais pas que. Voilà, merci tout le monde et puis passez une bonne journée. Voilà, merci à tous. Donc j'affiche quelques remerciements de tout le monde, donc qui montrent que ce webinaire a été très très apprécié à l'international même. Merci à tous et bonne journée.